Bonjour les élèves, bon vendredi 13. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève. Son nom est Rakoto. Voudrais-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Rakoto. Je viens de Madagascar. Dans mon pays, je ne veux plus en parler. Ça commence bien. Il ne veut déjà pas parler. C'est quoi son problème? Laisse-lui le temps d'arriver. D'accord. Dans mon pays, le vendredi 13 représente la pire journée au monde. Vraiment? Mes parents ont immigré ici, au Canada, pour s'échapper des malédictions du vendredi 13. Ils pensent qu'ici, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Ça a des origines qui remontent à l'Antiquité et aussi au début de la chrétienté. C'est le dernier repas de la scène où il y a Jésus qui a son repas avec 13 invités. Et le 13e invité est Judas, le traître. Tu veux rajouter quelque chose, Aurélie? Le chiffre 13 chez les Grecs vient rompre le chiffre parfait qu'on considérait qui était le 12. Il y a 12 constellations, 12 tribus d'Israël et 12 dieux de l'herbe. Vous avez 12 heures dans la nuit et 12 heures dans le jour. Ah, le chiffre 12, l'harmonie. Vraiment, on est 12 à la maison puis ce n'est vraiment pas l'harmonie. J'ai 12 ans et je n'ai jamais eu de chance. Je me fais toujours sortir de classe. Ça, c'est parce que tu niaises tout le temps. Ouais, c'est ça, mon œil. Si vos cours étaient plus intéressants, je niaiserais pas. Ça suffit, sors de la classe avec le sablier orange. Est-ce que je pourrais aller aux toilettes? Oui. Pourrais-tu vérifier si Timothée a bel et bien tourné le sablier? Ok. Retourne le sablier, c'est ce que le prof a demandé. Vous n'allez pas croire ce que je viens de voir. Une vache qui danse la salsa. Non, arrête. J'ai vu Timothée se transformer en statue. On l'avait déjà vécu dans mon pays. C'est pour ça qu'on a immigré au Canada. Hein? Quoi? On peut tous se transformer en statue? Moi aussi, je veux voir ça. T'es trop chanceux. Dès qu'il a tout tourné, le sablier, il s'est transformé en star. T'es juste un menteur. Hé? Quoi? Il y a une seconde, il était en statue, je vous le jure! Tu veux juste attention pour te faire des amis. De quoi vous parlez? Je comprends rien. Ça suffit, ce n'est pas bien de mentir. Non mais je... Retournez à vos places et sortez vos cahiers de français. Comme si vous étiez bonne en français. Vous prenez tout le temps votre dictionnaire pour vous aider. Ça suffit, sors de la classe avec le sablier de 12 minutes. Parfait! Chez moi, le 12, ça veut dire la chance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai tout imaginé ça? Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Où ça vient ce billet de 100 dollars? C'est magique? Le 12 représente vraiment la chance. Ok, est-ce que j'hallucine? C'est pas juste, t'as bien de la chance, toi. Moi aussi, j'en veux un. Bravo, champion! Fallait pas tourner le sablier noir. Ça porte malheur. J'avais tourné l'orange, moi. Et c'est maintenant que tu me dis ça. Tu m'as pas vraiment laissé le temps. Répondez aux deux énigmes et vous aurez la vie sourde. Première, plus on en rajoute sur une planche, moins la planche est lourde. Qui suis-je? Des clous, du pain, des plumes? Non, réfléchis un peu, t'as tellement pas rapport. Non, je veux pas être aspiré dans le trou. Trou, oui, c'est ça la bonne réponse, trou. Bravo, deuxième. Je suis née noire, durant ma vie je suis rouge, et quand je meurs, je suis blanc. Qui Michael suis-je? Jackson. Michael Jackson? T'es fou, t'as tellement pas rapport. 10 secondes. Tic, tac, tic, tac. Tout le monde sait que c'est du charbon, voyons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le corridor? J'ai entendu des drôles de bruit. J'ai eu un billet d'or. Non, rien. Ouais.
veux un billet de 100 dollars, moi aussi. Tout ça pour rien. C'est vraiment un sablier de malheur, ça ne porte même pas chance. Quoique, j'ai un billet. Est-il magique? Comment elle a pu se retrouver là? J'avais mis dans mon pupitre. Je comprends rien, je l'avais jeté aux poubelles. Où est lui, annonce? Scène 1, plan 1, prise 1. T'es certain? Ouais. Allô? C'est le deuxième plan? Non. Oui. Mais c'est pas grave. Ok, c'est bien. 12 constellations, 12 tribus d'Israël et 12 dieux de l'Ève. Vous avez 12 heures dans la nuit et 12 heures dans le jour. Ok, on va leur faire. Vas-y, Sébastien. Il y a 12 constellations, 12 dieux de l'Ève. Et 12 dieux. Donc peut-être avant, vraiment, on est 12 à la maison, ce n'est vraiment pas l'harmonie. J'ai 12 ans et je n'ai jamais eu de chance. Je me fais toujours sortir de classe. Tu dis la phrase, puis elle te donne le sablier. Ouais, c'est ça, mon œil. Si vos cours étaient plus intéressants, je n'y niaiserais pas. Ça suffit, sors avec le. Pas grave. Scène 1, plan 1, prise 1. Ok, clac. Ok. 2. 2, 4. 3. 3 et demi. 3 et 3 quarts. Retourne le sablier, c'est ce que le prof a demandé. Vous n'allez pas croire ce que je viens de voir.
24, 1, 1. Certaine. Une vache qui danse la salsa. Alors, Eliane. Réalisateur. Oh, oh. Même Adi. Quoi? Moi aussi je vois ça. T'es trop chanceux. Action. Non, tu m'as regardé. Ici, Alexis, ici je te vois. Deux. On va tous se transformer en statue? Moi aussi je vois ça. C'est trop chanceux. Dès qu'il a tout tourné le sablier, il s'est trop. Qui tu viens de gagner un trophée, tu me l'annonces là? J'ai tout imaginé ça. Audrey, ce serait fun, tu ne me regardes pas. Je te comprends de me regarder, là, c'est normal. Mais tu ne me regardes pas. Puis Alexandre, je ne sais pas ce que tu fais, mais on dirait que tu es après tombé. Deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le corridor? J'ai entendu des drôles de bruits. J'ai eu un pied de... Ça va plus? Il y a peut-être plus proche encore? Oui, je pense qu'il a regardé la caméra. Ouais, pour pas qu'il m'entende. Ouais, deux. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé dans le corridor? J'ai entendu des drôles de... Je comprends rien. Je l'avais jeté au fond. C'est elle qui le dit pour toi. Tu as vu qu'il me regardait encore. On recommence.